I think the very special thing about this piece, particularly in Purcell's output, it's the only through composed opera that doesn't have spoken word. Complete mix of styles, of the old English polyphony style, meeting with a more expressive Italian way of writing the melody, and then with a sort of French feel in the ornamentation, how he integrates the text with that to create this powerful drama. Mais c'est comme aujourd'hui, les histoires qu'on raconte sur l'Antiquité et celles qui se déroulent aujourd'hui sont les mêmes. C'est l'histoire d'une femme de pouvoir, mais c'est aussi une femme qui est amoureuse. Главное для меня было воплотить этот персонаж очень искренне, вот этот женский надломленный образ с глубокой болью внутри. There are certain characteristics of human beings which is timeless. Weakness, strength, honor, loyalty, those are things which have always been with us. Chaque chœur, c'est... Enfin, chaque chanteur du chœur est un chanteur soliste pour moi. Je les mets en scène comme des solistes. Et une foule, c'est ça. C'est-à-dire que de loin, on voit un groupe, mais si on se rapproche, on voit des visages, des couleurs de cheveux, un parfum. Et c'est ça que j'essaie d'avoir en scène, des individus et pas un groupe. Моя героиня провоцирует людей на революцию. Королева свержена, люди свободны, и перед ними открывается новая жизнь. The internal battle between love and loyalty. Наши постановки – это все-таки больше любящая женщина. И то, что она стала правительницей – это уже воля рока. If you can inhabit the way that Purcell writes those lines, if you can make that personal to yourself, then it carries it. C'est que toutes les rancœurs sont oubliées, toutes les colères, tous les enjeux de pouvoir, et c'est juste des gens qui finalement arrivent à être ensemble parce qu'ils arrivent à sortir de leur ventre la rancune, qui est comme un poison plus dangereux encore que celui que Didon boit.